Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Yo. Aujourd'hui, on va manger 24 heures des repas de Noël. Je voulais lui faire découvrir un petit peu. On est en France, période de fête, il y a des trucs de malade. On est des gros porcs, faut le dire. C'est parti. Donc on va commencer par aller dans un supermarché que moi, vous connaissez. Je vais acheter un bonnet pour moi et pour toi. Ouais, on va pas tout acheter ici. On va aussi prendre des trucs à la boulangerie, genre les bûches de Noël, tout ça, comme ça on mange des bons trucs faits maison. Sinon, fête pas Noël, c'est toujours beau, tu vois. J'aime bien, c'est beau, c'est joli, faut dire la vérité, un beau sapin. Nos rayons, ça y est, les décorations, c'est carré. Donc je vais te faire découvrir des trucs. Vas-y, prends ça, c'est à Noël. Ça, j'ai déjà goûté. Toujours, il y a ça dans leur repas de famille. Ensuite, là, on a la partie canard, tout ça. Bon, ça, on n'a pas le droit, c'est pas halal. Vas-y, continue. Continue, ça y est, on a déjà pris des apéritifs. On va passer par là. Oh là là. Regarde, il y a quoi ici? T'as pas vu des bûches? Mais ça, je te conseille qu'on attend à la boulangerie. Ça sera de meilleure qualité. Okay. T'es obligé de prendre des tartines pour tartiner le saumon et tout, là. Là, il y en a deux, non, prends-en plutôt un. Parce qu'on mais est que... il n'y a qu'un paquet. Non, regarde là-bas, il y a des paquets tout seuls. Et là, il y a un paquet de 1. Ah ouais, bah voilà, prends celui-là, là, c'est impeccable. Ben, ils ont mis un rayon rebeu. Regardez, tous les trucs rebeu. Nous, nos gâteaux, nous, les rebeu, c'est ça. Incroyable. Moi, c'est ça, par contre, moi. Toi, c'est quoi? Ça, là, les gâteaux, regardez. Les trois. Ça, c'est que du sucre. J'ai repéré plusieurs choses. Moi, je vois. On est venu pour ça, la famille, à la base. Oh là là, la big boîte de Ferrero. On prend quoi? C'est toi qui décides, je te laisse. On a tout ce choix. Regarde, t'as tout ça encore. Ah ouais? Tous ces Ferrero là. Oulala, c'est pas. T'as les Golden Gallery. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Ouais, je sais où. Vas-y, bah je te laisse faire ton choix. Et on peut prendre ça pour faire de la fausse neige. La fausse neige? Ouais. Ça, c'est. Maman, elle va nous éclater. Elle va dire, on fout le bordel. Dans le jardin. Il y a les guirlandes, mais bon, ça, c'est pas notre fête. Donc, on va pas prendre. Nous, on se contente que de la bouffe. Et peut-être un chapeau. Peut-être ouais, un chapeau. Ah, bah il y en a là, regarde. Là, c'est des chapeaux un peu flingués, mais regarde. On a tout ce qu'il faut, mais regardez quand c'est les courses de Noël, les gens. Regardez la queue, vache KO. A few moments later. On a fait l'intro, c'était le jour, et là c'est la nuit. Regardez le big sapin qu'ils ont mis. Waouh. Pour le petit déjeuner, j'ai ramené des cookies et du lait pour le Père Noël. Parce qu'il va me rapporter beaucoup, 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 beaucoup de cadeaux. Et comme je pense que c'est un gros porc, bah, je pense que ça va suffire ça. Oh, 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 nous allons apporter des cadeaux à Myriam. J'espère qu'elle m'a laissé des bons gâteaux. C'est qui lui? Comment ça il est entré dans ma maison? Oh là là, des cookies. Ils ont pas fait les rades, hein. Oh, oh, c'est vraiment dégueulasse. T'es qui toi? Comment ça tu rentres dans ma maison? T'es qui? T'es qui? C'est qui lui? C'était le Père Noël! Il n'existe pas, il n'y a pas le Père Noël, il n'y a pas! Comme de par hasard, on allait acheter des bûches comme des gros porcs. Et regardez, on tombe sur quoi? Un marché de Noël. Ça. Il a dit que tu pouvais acheter des trucs pour la ouais, on n'a pas besoin de passe sanitaire. Le policier, il ne connaissait même pas, mais il était grave gentil. Ouais. Regardez, il y a grave des... Oh là là, la psychiatrie. Non, on va prendre des bûches. Des bûches. Une barbe à papa tout de suite. Bûches. Une barbe à papa. Tu veux quoi, barbe à papa? Aïe, 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 ça t'a fait par la barbe à papa. Et il y a des go. Regardez, à quoi ici? Comment elle est refaite, les règles. On partait à la boulangerie. Oh, regarde, il y a le traîneau du Hellef Noël. Pour cette boulangerie que je suis venu, regardez, il y a même un cheval. Est-ce que t'as peur? Hey, tu sais qu'il peut te bouffer. Hein. Il est énervé. Il est énervé, là, il a dit. Bonjour. Il est énervé. Ah, il est énervé? Ouais. Après, il a pas pris son petit déjeuner? Si, mais il est pas bien. Ah, il est pas bien. Bah, on va le laisser tranquille. Il est énervé, il a dit. Juste une question, il a quel âge? Je pourrais pas vous dire. Ah, d'accord. Ouais, carré, ça va qu'il est énervé. C'est la veille, allez-y. Incroyable. T'as vu Myriam, elle caresse la dame alors qu'il a dit il est énervé. Mais je pense qu'il a pas plus de 6 ans, je pense. Bon, regarde, il y a quoi là? Ah, là-bas, il y a des hamars. Incroyable. On est venu pour la boulangerie, tellement on se retrouve avec quoi? Il y a des hamars. Quand on dit ça, la hamar, toujours, c'est ça, c'est un âne. Tu vas caresser Myriam? Ouais. Vas-y. Salam alaikum, ya hamar. Vas-y, caresse. T'as peur, hein? Mais ils font pas peur. Vas-y, caresse.
T'inquiète pas, il va rien te faire. T'es sûr? Je te promets, il va rien te faire. Caresse tout doucement. Regarde, tu fais comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. À ton tour. Il s'est levé là, tu sais qui ça? Mais elle c'est Myriam. C'est Myriam, elle, et voilà. Là, il y a des moutons. Hey, vous avez de la chance, c'est pas l'Aïd encore. Hein. C'est Noël, vous avez de la chance. Vous avez vraiment chance, c'est pas l'Aïd. Non, j'en aurais attrapé un. Hein. Ils ont de la chance, non? C'est pas l'Aïd. Attends, je vais en caresser un. Hein. C'est Noël. Oh, ça y est, ça y est. Ils sont partis dès que j'ai dit ça. Je rigole, les gars, mais c'est Noël, tranquille. Regardez. Et là, on finit par les porcs. Voilà, ils sont dans leur étable. Dans leur étable, et puis voilà. Vous pouvez les toucher. Non, ça va aller, viens ici s'il te plaît. Mais nous, on était venus pour ça. Tu vois les bûches. C'est laquelle t'as préférée dans toute là? Celle-là. Au chocolat? Ah la con. On vient de finir le marché de Noël avec des policiers très 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 gentils. Mashallah, on n'avait pas de passe sanitaire, il nous a fait rentrer quand même. Hein, c'est comme ça que doit vivre le musulman. On est dans un pays où il y a plusieurs religions, plusieurs personnes. Tout le monde respecte tout le monde. Pour moi, quand je regarde des films, c'est tout le temps une grosse dinde rôtie. Là, on l'a remplacée par du poulet rôti. Des pommes de terre. Là, on a trouvé des sortes... Comment on appelle ça, Myriam? Nems. Des nems. Elle dit des nems, mais je sais pas si on peut appeler ça. Bien sûr, de la salade en accompagnement et les fameuses bûches. Donc, viens, on commence par les nems. Ok. Nems au poulet. Regardez, c'est comment. Bon, on s'est lavé les mains. C'est nems. Elles sont vraiment incroyables. Trop. Genre dedans, il y a du fromage, du poulet. Elles sont trop bonnes. Pour accompagner les pommes de terre, on va mettre la sauce, ketchup et mayo. Nous, on mange avec les doigts, on préfère. C'est beaucoup, beaucoup mieux. De toute façon, vous connaissez depuis. Alors là, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre. Là, c'est ta moitié de poulet et là, c'est ma moitié. Moi, ce que j'allais faire... On prend un poulet, une salade. Chaud. C'est chaud. C'est chaud. Tiens. On prend une pomme de terre. On prend le ketchup. Et là, on a le combo parfait. Là. Ketchup, c'est bon. Pour ceux qui fêtent Noël, dites-nous c'est quoi vraiment vos repas. Parce que moi, c'est ce que je pense. Mais moi, je ne fête pas Noël. Du coup, je regarde que ce qu'il y a dans les films. Je pense que c'est bon. Ce qui est beau aussi, c'est ça et ça. C'est le combo parfait. Oh là là, le dessert. S'il te plaît, contrôle-toi. Je sais que t'es mal, mais contrôle-toi. J'arrive pas à me contrôler quand on parle de sucre. Moi, je vais attaquer cette partie-là. Là. Est-ce que ça se mange? Ça se mange? Oh, c'est du plastique. Ça se mange pas, c'est du plastique. Je sais pas. C'est incroyable le sucre, c'est trop bon le sucre. Repas du soir, meilleur repas. Là, c'est le round de numéro 1. Après, les enfants vont aller dormir, vu que demain, il y a de l'école. Ou alors, c'est les vacances, mais ils doivent dormir tôt. Et ça sera mon round à moi, donc je vais t'expliquer la vie. On va commencer par une petite salade. Viens, moi, je me suis changée. Elle s'est changée carré. T'as des toasts et t'auras un dessert. Et par contre, c'est quoi ça? Ça c'est du blini. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ils ont tous ça dans leur repas. Viens, on goûte après. Ouais, je vais te laisser commencer par une crevette. Tu l'épluches bien comme il faut. Et moi, je vais lui préparer un bon blini spécial Noël. Donc, on prend la boîte. Tu sais bien l'éplucher? Ouais. Ok, carré. On prend la boîte. On prend... Attends, imagine, elle est encore vivante. Sans. Ça sent quoi? Ça sent... C'est du poisson, je pense. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Je vais lui en mettre bien. C'est bon, les manger. C'est bon, les crevettes. Hein. C'est carré. Regarde, dès que t'as mis ça, tu viens prendre du saumon. Moi, ce que j'ai hâte de passer, c'est au chocolat. Ouais, c'est sûr. Voilà. Là, quand t'as des invités, tu leur fais ça, mon pote. Vas-y, goûte, tu dis bien si c'est de lait. Et tu goûtes. Mais ça, tu peux en manger 1500, frère, tu seras jamais calé. Trop bon. C'est incroyable, hein. T'es, on va tout mettre dans sa bouche. Elle a dit quand c'est bon, on fait quoi maintenant? Moi, avant de faire YouTube, je travaillais genre dans l'animation. Je gardais des petits comme toi. Et un jour, il y a un petit qui m'a dit: Younes, est-ce que c'est vrai que le Père Noël, il existe? Bref, je dis non, il n'existe pas. Le petit, il a été dire à ses parents
et ils ont failli me virer juste parce que j'ai dit que le Père Noël il n'existait pas. C'est un truc de malade. Ferrero Rocher classique, la base. Et ça, on va goûter. Vas-y, let's go. Oh, tu les mets comme ça. À mon tour les gars, là c'est le round des gros porcs. Premier round, on a des méga cookies. Ce matin je les ai pas mangés parce que j'avais pas trop faim. La boîte de chocolat, la salade Myrem elle a pas mangé. Je me suis fait un maximum de toast et des croques monsieur. Enfin c'est à moi de manger. Myrem elle est pas là, elle est partie. On va commencer par les croques monsieur avec de la crème, de la dinde, du fromage bien toasté. Bismillah. C'est fantastique, ça vient d'Amérique. C'est magnifique, c'est incroyable. Vous savez c'est quoi ce qui fait la diff? Le toast il est grave, bon comme une brioche, c'est excellent. Celui-là il y a marqué ça, il y a de l'amande dedans les frères. Oh là 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 là, comment tu veux résister à ça? Putain, la maladie monte à la surface, c'est pas grave, je vais en prendre, je pense je vais en manger juste 10. Ouais, 10 c'est bon. Et on va arrêter là. J'espère que vous avez kiffé la famille. Moi je vais manger tranquillement. J'aime pas manger avec des mecs qui me regardent. C'est bizarre. J'ai goûté. C'est super bon. Maintenant je vais manger tout seul avec une vidéo. Bonne vidéo. On va se faire plaisir. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Il y aura une vidéo bientôt. Galette des rois. On va faire un 24 heures avec Myrem. On va manger une galette. Et tout pour le sucre, frère.